amis, vous le savez, Coca et Mentos ne font jamais très bon ménage. Et aujourd'hui dans ce jeu qui a l'air vachement fun, nous allons devoir mélanger un maximum de Mentos dans cette bouteille de Coca. Dans le but bien évidemment d'avoir le jet le plus haut du monde. On est au niveau 1, notre objectif c'est d'atteindre la tête d'une girafe qui fait 5 mètres. Ah ouais, pour un niveau 1 ça ne rigole pas, donc ça y est, on a tous nos Mentos et nous allons devoir choisir quelle voie opter pour avoir un maximum de Mentos. Alors soit on prend la voie de droite, ça fera juste x7, ou bien celle de gauche et ça fera x2, x5, donc au total ça fera 10. Donc on a un seul Mentos dans le paquet, c'est parti, on le lance et... C'est parti, on a 10 Mentos, ça va être une explosion. Attendez, il y a un truc là. Ah oui, il faut d'abord dégoupiller ça. C'est parti donc, 10 Mentos dans notre Coca et ça... Niveau 1 réussi largement les amis, on est passé à 9 mètres. Ah oui, il y a là tous les éléments qu'on va devoir dépasser avec des monuments. Mais j'ai aussi vu la lune tout en haut, c'est un truc de fou. Donc maintenant, on passe à la Statue de la Liberté qui fait 46 mètres. C'est que dalle, j'ai pas peur moi. Ah, on a la possibilité d'augmenter la puissance de notre Coca-Cola. Pourquoi pas plus de bulles dans le Coca. Et là par contre, oulala, j'ai dit que j'étais bon en maths, mais ça se complique. Bon, soit on va là, ça va faire x8. Soit on va là, ça fera x6. Ici, ça fera x15. Là, ça fera x3, x14 divisé par 6. Oula. J'avoue que le x14, c'est tentant, hein, mais je suis pas sûr que ce soit assez. Hein. Parce que x3, x14, ça fait 42 et divisé par 6, ça doit donner 7. Donc non, on va prendre le x15 qui est juste là. Je crois que c'est la meilleure voie, enfin c'est sûr. Et hop là. Oh, d'accord, il en faut plus. Ah d'accord, on est en train de quoi? On est en train de... C'est quoi ce bidon là? C'est mon... What? C'est mon nouveau Coca. Ok, on a du Coca dans un bidon maintenant, très bien, pas de problème. Mais on est encore loin de dépasser la Statue de la Liberté. Alors ici, on a x3, x7, qui est clairement le mieux. Hein. Ouais, c'est le mieux, là, y a pas de doute, ça fera forcément plus que 14. Et donc c'est parti, on remplit le truc. Mais attendez, je peux pas relancer? Parce qu'il me demande d'en mettre 31, mais je peux pas en mettre plus, moi? Bah, je peux pas. Hein. Allez, c'est parti. Oh, j'en avais 21, et boum! Nouveau record, nous sommes à 29 mètres. Donc on a dit, elle fait 46 mètres, donc on va y arriver très bientôt. Et là, par contre, oulalalala, donc x4... x6 ça fait 24, on a le 25 qui est forcément mieux, l'autre j'ai pas envie de compter mais ça sera forcément moins bien, et là x2 x7, x2, x2, alors du coup ça fait 14, x2, 28 28 x2, ça fait 56 divisé par 2, c'est forcément mieux, c'est forcément mieux les amis, c'est parti, on y va. Ça fait combien on a dit? Je sais plus combien j'ai dit, mais divisé par 2 ça donnait forcément plus que 31 il me semble, hein. C'est parti. Ah non, ça fait 27, ok c'est parti. Et maintenant on est presque au flambeau les amis. Alors on a la possibilité d'augmenter nos Mentos. Alors est-ce qu'on en a plus dès le début ou pas? Ah ouais, on commence avec 2, donc c'est comme si on avait un x2 directement, c'est trop bien. Bon alors ici on a un x45 qui sera divisé par 3, ça vaut pas le coup, x20, ici on a un x20. Et ok, bah forcément faut prendre un x20, on va aller dans celui-là, ça sera très bien. Et là les amis on va être 40 et normalement le record est battu. En tout cas si je fais des erreurs de calcul, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein. Vous me reprenez si vous voulez et c'est parti. On a atteint le sommet de la statue d'ailleurs, qu'on a même fait je sais plus combien il y avait, 59 mètres je crois. Oh, on va passer une pyramide maintenant, la pyramide de Gizeh. Une pyramide qui fait 146 mètres et ensuite on aura la tour Eiffel. Ce jeu est tellement classe. Bon alors c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est comme si on avait la possibilité de changer la direction des billes. Alors comment ça se passe? x3, x2, 6, x3, 18, ok, là 4x4, 16, ok à gauche c'est mieux pour l'instant, là c'est 16 et là c'est 4x8, 4x8 c'est mieux, hein, 4x8 c'est mieux, c'est parti, on y va, hop là, et tout. Oh, il y a deux étapes maintenant, on est, what, on est à combien là? On est à 64. Et alors là c'est simple, soit on va là et ça fera 8 divisé par 3, ou alors tout à droite ça fera 4, donc ça sera forcément mieux, si je me trompe pas, 1x4, et là par contre, mais attendez, on va directement réussir le truc, hein, c'est pas possible, on va battre la pyramide à 100%, là, regardez tout ce que j'ai. Ah non, 71 mètres. On a dit, elle faisait combien ça? Bon, on a même pas fait la moitié. Je crois qu'elle fait... Ah oui, elle fait 146. Bon, on a fait un tout petit peu plus que la moitié, alors. Allez, donc, on continue avec... Oh, je vois pas jusqu'en bas. Oh. Bah, attendez, je vais prendre à gauche, mais je sens qu'il y a un divisé à la fin. J'ai pas vu ce qu'il y avait juste en dessous. On prend... Ah, oh, c'est un divisé par 5. Il y avait un x80. Oh là là. Alors, attendez, je sais pas combien j'en ai, mais si j'en ai plus de 160, ça veut dire qu'on a fait le bon choix. Ah bah, je sais pas combien j'en ai. C'est parti, on y va. Aïe, aïe, aïe. Record non battu. Oh, les amis, ça serait trop bien qu'on augmente la capacité du Coca-Cola. Parce que j'ai envie de changer de récipient. Non, parce que mon bidon il est vraiment vide en fait, c'est ouf. Alors attendez, je vais augmenter ça. Oh, ça a augmenté le nombre de coca à l'intérieur. Alors ici on a x5, x7, ça me paraît pas mal. Parce que ça fait 35, non 35. Oui, je crois que c'est ça. Allez hop, tout dans le seau. Et maintenant on va tout mettre dans le x5 tout simplement. Hop, mets-toi là mon pote. Et c'est parti, on y va. Alors là par contre, mais attendez, j'en ai énormément. C'est un truc de fou. Je pensais pas en avoir autant. C'est parti. Alors là avec le nouveau coca, peut-être qu'on va battre, enfin le record il est battu, mais peut-être qu'on va battre la pyramide.
presse les amis, dernière étape pour battre la pyramide, et après ça sera la tour Eiffel. Ce jeu est tellement classe. Alors, on va remettre un petit peu plus de coca, pourquoi pas, et là, oh, wow, x2 x 75 divisé par 4, ça fait 150 divisé par 4, 37,5, et là on a quoi? On a 36, ok, et là on a 36 aussi. Non, là on a 39, et là 36, wow, 35, ok, tout à gauche, je crois que c'est bon. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire, et là les amis, ça y est, la pyramide est vaincue. Ah non, j'ai pas beaucoup de mentos. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas bon? C'était pas bon, les amis? Allez hop, on monte, mais on n'aura pas le record, c'est sûr. Ah si, mais c'est bon! Objet suivant, ou plutôt devrais-je dire un monument suivant, les objets ne sont pas assez grands. Et c'est parti, j'avance tranquillement, on fait le tour du monde, on passe maintenant, bien évidemment, à la tour Eiffel, ça va être trop trop classe. Mais juste avant, je vais augmenter mon coca. Ah, je peux l'augmenter une deuxième fois, c'est parti. Oh, le bidon est plein, les... Oh non, j'ai pas tout vu, mais c'est pas grave, il y a un truc, il y a une étape. Alors, x3, ici, x6 à gauche. Et ici, on a un 10 divisé par 4, donc c'est pas bon. On met tout à gauche, le x6, on est bien. Maintenant, on a un seau d'eau, et là, par contre, ok. x9 à droite, divisé par 2, c'est forcément mieux que les autres. C'est parti, on y va. Et les amis, le one shot de la tour Eiffel va arriver. Elle fait combien de... C'est pas 300 mètres, la tour Eiffel, un truc comme ça? C'est parti. Les 300 mètres, on veut les 300 mètres. Oh, elle est tellement stylée, la tour Eiffel. On est au deuxième étage, il me semble, à 137 mètres. Mais alors, elle fait combien? Ah, elle fait 324. C'est ouf. Alors, on va augmenter la capacité. Oh, on va être à x3 maintenant. Mais ça vaut trop le coup, en fait. x5, là, y a rien de compliqué. Ah ouais, mais attendez, y a des trucs qui nous gênent. Non, ils sont tous partis à droite. Ok, bon, ben là, par contre, bon, on va mettre un x5. C'est pas grave, mais on en a pas beaucoup, hein. Là, la tour Eiffel, mais pourquoi on a plus beaucoup de mentos? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc qui est habite, là, à droite, là? Bon, ok, bon, là, on va s'arrêter au restaurant de la tour Eiffel, parfait. J'ai toujours pas assez d'argent pour augmenter mes capacités, mais c'est pas grave, puisque... Pour 90 divisé par 5, non, ça vaut pas le coup, ça, hein. Il vaut mieux faire le x28 à droite, c'est ça, là? Je crois, hein. C'est parti. Oh non, il y a une qui est partie à droite, à gauche, c'est pas grave. On ouvre ça, et malheureusement, toujours pas assez de puissance. Il faut atteindre 131 pour remplir le bidon, et attention, peut-être le record. Oui, le record, au moins 200 mètres. Allez, j'augmente encore mes petits mentos, c'est parfait, et là... Ça, c'est un cadeau, ça. On prend le x25, c'est parfait. Tout est, c'est le bon choix, c'est pas compliqué. Hop, on y va. Est-ce qu'on en a 131? Non, absolument pas, on en a 100. 100 000. Oh, mais le nouveau record va arriver. Attention, on va atteindre sûrement les 250 mètres. C'est parti. Wouhou. On y est presque. Alors, je sais toujours pas ce que c'est que ce truc-là. Je l'augmente encore, mais je sais pas à quoi ça sert. Alors, x25 ici. Ok, ici, on a x50, x2, x100. Divisé par 5, ça fait 20. x25, hein, ouais, je crois que là c'est pas compliqué, hein. Wow, elles ont failli partir sur le côté. Ok, c'est bon, par contre j'en ai pas assez. Attendez, j'en avais combien au début? J'en avais 3, hein. Non, mais c'est pas assez, bah non, ça fait 600. Non, j'en ai 4 alors du coup. Allez hop, on monte, mais malheureusement pas le record pour maintenant. Mais à mon avis pour le prochain ça sera bon. Alors hop là, le même record que juste avant. Donc là j'ai toutes les améliorations au max pour ce niveau, pour la tour Eiffel. Donc normalement on devrait y arriver à un moment. Alors ici, waouh, ok, on a x40, x40. Ici on a x33. Et là on a... ok, il y a un 10 divisé par 7, je le sens pas. J'ai pas envie de calculer, mais je pense que là, le mieux c'est de prendre le x40. Et là, les amis, on y est. Le record est officiellement battu. Et surtout, la tour Eiffel va tomber sous nos yeux ébahis. C'est parti. On est en train de le remplir. Et bam, c'est parti. C'est le meilleur décollage du monde. Et là, la tour Eiffel est définitivement battue. On a fait les 324 mètres requis. Et c'est bon. Et on passe sur quoi maintenant? Oh, l'Empire State Building. Ah, c'est bon. Je peux réaugmenter donc. Oh, mais maintenant j'ai une citerne. Ok, on va remplir la citerne. On va augmenter la capacité de mentos. On en a 5 pour commencer. On a un x50. Oh, on a des multiplicateurs de taré là. Donc pour l'instant, à gauche c'est mieux. Et ici, on a 260 divisé par 4. Bah ouais, c'est forcément mieux. Je sais pas exactement combien ça fait, mais c'est mieux. Hein. Attendez, je vais essayer de les mettre bien droit comme ça. Oh, parfait, c'est parti. L'Empire State Building, les amis, on va le battre en un seul coup. Ah ouais, mais non, ma citerne n'est pas pleine. Hein. Oh là 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 là. Elle fait combien? Elle fait 400, non? Waouh, 324. Oh, on n'a pas battu notre record, mais on est presque tout en haut de l'Empire. 443. Oh. Allez, on continue de remplir la citerne. Et là, je le sens bien, les amis. Je le sens très... x660. Mais attendez, c'est énorme. Il y a un multiplicateur de fou malade, là. J'ai envie de le tenter. Je n'ai pas envie de faire le calcul. Ça fait 1340 divisé par 7. Ouais, j'ai pas envie de faire le calcul. Je sais pas si c'est bon, mais à mon avis, ça doit être énorme, là. Wow, tous ces mentos, ils ont pas pu tous rentrer dans la citerne malheureusement. Mais là, le record est officiellement battu.
On est presque tout en haut, il nous manque 20 mètres. Allez, on continue de la remplir et là, je pense que c'est bon, on va y arriver. Ah, il n'y a que x62, c'est pas ouf. Enfin, x60, je vais le prendre, je crois que c'était le mieux, j'ai pas trop calculé, on verra. Et est-ce que ça va le faire avec la citerne un petit peu plus remplie? Je pense que oui, en vérité, ça peut peut-être le faire, attention. Oui, Empire State Building complètement vaincu. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez que je fasse les tours suivantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Red Kill. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Enfin c'est plutôt de ce côté-là. Bye tout le monde.